white snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. I am a million miles from home. I'm walking away. I can't remind your eyes, your face. Salut à tous et à tous, c'est The Francis Gachan pour ce mon aventure de cartoon épisode 5. Et donc ben voilà, j'allais déjà vous informer que malheureusement j'avais déjà un peu avancé sur mon aventure. En fait j'avais fait une vidéo de mon aventure de cartoon épisode 5 déjà avant. Le problème c'est qu'elle a bugué. Ce qui fait que malheureusement ben j'avais déjà avancé, donc je vais vous faire voir. Donc allez, on va avancer. Il y a le truc que vous voulez bien regarder, on voit un truc, c'est pas le curseur, voilà. Donc c'est parti pour le monde épisode 5, donc, et là voilà, vous allez voir. Oula, attendez, avec le test sur pack ça bug à mort, je vais changer. Oula, c'est content de changer, c'est bizarre. Donc vous allez voir qu'en fait j'ai avancé sans faire exprès et j'ai changé de terrain parce que l'autre terrain j'ai pas aimé, donc voilà, je suis sur ce terrain là, j'étais en... Eh merde, j'étais en train de creuser, voilà, faire ma maison quoi ici, parce que je trouvais que c'était un... Désolé du... Peut-être du mot que je vais sortir, mais regardez là-bas, on voit des beaux trucs, plein de trucs et tout, c'est énorme, j'ai juste à dire. J'avais juste envie de dire, pardon, ça fait un peu plus français quand même. Et donc désolé si vous entendez encore une fois le son du jeu, ça c'est un petit truc en plus. Enfin un petit truc en plus, son de la Xbox. Donc c'est parti, hop. Je crée la mode d'attaque comme ça. Oh là le gros bug, vous avez vu l'eau, elle n'est même pas ça. Moi je veux dire elle est pas... Donc là je suis obligé de mettre ça pour grandir ma maison, parce que vous voyez là-bas il y a une caverne et voilà. Je vais mettre ma maison vers là-bas comme ça. Je pourrais atteindre cette caverne et puis au cas où faire une mine optimisée. Et oui, donc voilà, vous avez compris, je resterai là toute la saison, à part si je meurs, parce que là, si je meurs, je perds la sauvegarde, c'est-à-dire que je devrais être plus, comment dire ça, plus faire gaffe, quoi. Mais vraiment faire gaffe à moi, donc c'est-à-dire que maintenant, ça va être un système de saison. Et bien entendu, j'essaierai de trouver des trucs innovants chaque saison. Déjà cette saison, bah, vous avez déjà vu, il y a des nouveaux monstres, heureusement à chaque fois j'ai... Tu vois, je suis obligé de les remettre à chaque fois parce que il y a toujours des trucs qui plantent. Donc voilà, pour l'instant j'ai mis un peu le terrain. Donc vous voyez bien, j'ai eu plein de trucs. Par contre, je sais pas ce que ça permet, donc vous avez vu. Quand j'ai fait le voyage, j'ai trouvé plein de trucs, je crois, et j'en sais plus comment j'ai fait. En fait, j'étais parti à la maison, je sais plus où est-ce qu'elle est en fait. Ah tiens, le cochon il va se faire tuer, y a pas de soucis. J'ai baissé le son du jeu. Voilà, là-bas il y a des requins, vaut mieux éviter, donc on va poser le bois. On va mettre pile poil. Alors est-ce que je dois la mettre pile poil là où il y a le... Non, au pire on prend un petit 4, hein, j'ai une idée, voilà. Je vais faire une grande maison parce que, bon certes ça sera un peu cuboïde encore une fois, mais parce que je suis nul en architecturie. On va dire ça. Ouais, même si c'est pas français ce que je dis, mais bon, on s'en fout. Attendez, je crois que j'ai une cisaille. Non, j'en ai pas une. Est-ce que j'ai assez de fer? Oui, j'ai assez de fer. Et oui, dans ce 1.7.3, il y a les cisailles qui permettent de prendre la laine. Attends, on est obligé de prendre ça par la laine. Un peu chiant, mais... Mais bon, je trouve que c'est un peu plus logique parce que quand t'as pas l'épée et qu'on a de la laine, c'est un peu con. Là, comme ça, moi, je dégage. Et donc aussi il y a toujours le truc, oh là, un petit lag vite fait. Il y a toujours le mode, si je bimote pas, qui veut dire là, bah c'est ce ciblé qui permet d'aller facilement, mais aussi, pas trop grand non plus quand même, ici ça va aller. Donc là j'ai creusé le sous-sol, on va faire que je prenne les marques. En fait là normalement je devais finir faire ça quoi, je vais indiquer le terrain au-dessus. Ouais, c'est quand même super arbre au-dessus, vous voyez au-dessus là, regardez-moi.
Regarde-moi cette saloperie. Ouais, tu sais quoi, je vais aller finir l'arme. Enfin, je vais essayer. Bon, faites pas gaffe aux achievements parce que j'ai dû refaire les updates, etc. Donc à chaque fois les achievements se remettent à zéro. Ça c'est un peu le point négatif de ce que Smash a fait avec les achievements. Parce que bon, c'est dommage d'à chaque fois de recommencer à zéro parce qu'on fait force update quoi. Ça m'énerve ces armes là, putain, c'est pas possible. En plus j'ai plus de hache. Oh putain. Pardon. Ouais, c'est celui-là, je cherchais à me demander c'était quoi qu'il fallait faire une hache. Je croyais que c'était four, mais non, faut que j'arrête de fumer. Voilà. Bon, vous voyez, pour l'instant, j'ai creusé un peu ma zone. J'avais déjà mis des torches pour éviter que les monstres spawnent sur ma gueule. Merde, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais faire avec ma pelle pour essayer de monter, quoi. Ça fait un peu con. Voilà, hop, toi au-dessus. C'est bon, il n'y en a plus beaucoup. Attendez, c'est quoi? Ah, c'est efficace ça par contre. Hein. Ah bah non, vous savez comment dégommer un arbre, vous niquez tous les feuilles et puis après vous savez ce que sont les bouts de bois. Allez, on va commencer. Et... Oh j'ai l'impression que c'est comme si on faisait instant mine ce truc là, mais... Entendu, moi j'utilise pas, mais je veux dire... Il y avait des codes qui permettaient de faire ça. Oh oh. Oh non. Oh non. Oh, désolé pour le micro. Je m'en excuse, un petit rhume passager. Je suis une malade, je vais dans les feuilles, si je tombe tant pis. On saute. Mais pourquoi ces arbres sont tellement grands? Fait chier ça. Donnez-moi ça, tous les trucs qu'il y a. Encore, alléluia. Oh là là, regardez là-bas. Mon dieu. Donc à la conquête de l'arme, ça va s'appeler je pense l'épisode, hein. Parce que bon, voilà. Mon dieu. J'ai horreur de ces arbres. Oh putain. Et bon, moi dès que j'aurai dégommé, au moins ça sera fini. Attends, c'était un autre arbre ça? Oh là 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 là. Bon, vous savez quoi, on va s'occuper d'abord de celui-là, on va déjà faire le contour là-bas. Ah, ça va aller mieux. Oh putain. C'est un méchant normalement lui, hein. Il fait des bruits bizarres, c'est pas grave, voilà, il me donne une pile. Bon, ça fait un peu con, je sais, les trucs là, mais... C'est pas très grave non plus, attendez, hop. Une grande maison comme ça suffit, je pense, hein. Après on fera le jardin quelque part ici et... Je vais essayer de retrouver ma maison tout à l'heure. Dans l'épisode 6 ou 7 j'essaie de retrouver où est-ce que j'ai foutu ma satanée maison, on va dire ça. Parce que en fait je me rappelle plus où est-ce que je suis parce que ça fait longtemps que j'ai pas arrêté sur ce jeu-là parce que ça m'a dégoûté, on va dire dans le sens. Dégoûté que j'avais perdu encore, que ça avait encore merdé la vidéo. C'est vraiment chiant, je peux vous jurer. Vous comprenez pourquoi des moments j'ai un peu la rage quand je fais les vidéos, parce que bon, j'aime bien faire mes vidéos, mais quand il y a quelque chose qui merde et qui merde vraiment, parce qu'en plus juste parce qu'on commet une connerie, c'est voilà, c'est gavant. Donc là, j'ai déjà fait le périmètre de sécurité, on va dire ça. Déjà. De toute façon, au pire, si j'aurais pas fini, qu'il commence à faire nuit, non, même pas 4 heures là, il va faire nuit. Vous voyez bien, il y a l'horloge. Hein. Ça, c'est le truc que j'aime. Oh non, mais deux fois. Deux fois j'ai refait la même connerie et en plus encore une fois, vas-y on continue, y'a pas de soucis. J'en ai de fou plus envie. C'est pas que j'ai du steak sur moi, attendez je regardais ça. Oui, oh bah j'en ai largement assez. Merde. Voilà. Alors oui, vous vous en rappelez,
Alors oui, j'ai mon casque en diamant, normalement si vous avez vu l'épisode 4, vous savez pourquoi, ou je sais plus si c'est l'épisode 4, oui c'est l'épisode 4. C'est grâce à un monsieur Clodo. Je lui ai donné du fer, hein, seulement du fer, hein, c'est ce qui m'avait le plus surpris, il m'avait donné ce... Ben c'est... Oh là là, cet homme en diamant. Si je me gourde pas, c'est le homme, hein, la tête. Voilà. On peut dire un casque, mais moi je dis homme, ça fait plus chevaleresque. Hein. Merde, j'ai plus de bois. Ça tombe bien, il me fait chier cet arbre-là. Ah ouais, je pense que cet épisode-là, ça va être appelé Le bois et les arbres, quel génie. Non mais, sérieusement, là, regardez-moi tout ce bois qui me fait chier dans cette petite île, quoi. Enfin, c'est pas vraiment une île, mais bon. Donc celle-là arrivera après la vidéo d'Assassin's Creed, hein. Comme ça, vous comprendrez vraiment comment la logique dans la vidéo. Je dois me démerder à trouver des bonnes logiques. C'est-à-dire, Et après celle-là, je vais peut-être faire l'épisode 6. Bien entendu, parce que je suis à fond dedans. Là, ça y est, pour l'instant, je suis content de jouer là. Ça faisait longtemps que j'ai pas rejoué Minecraft, pour vous dire. J'avais fait une pause de 2 semaines, 3 semaines. Ça fait longtemps quand même, hein, pour moi. Un peu le geek. Je sais que je peux pas aller déjà au-dessus. Oh putain, ça tombe. Oh là là, regardez-moi ces arbres. Explique-moi comment on peut les péter. Et la nuit commence à se faire, donc je vais devoir bientôt aller voir la mine que j'ai fait, la cave que je vais faire, je vais essayer d'explorer. Allez, hop, viens là. On va descendre. Oh oh. Sauter! C'est bon. Donc voilà, hop. Tant pis pour avoir eu le temps de finir. Je regarde. Oh là là. Oh. Regardez! Je sais pas si vous verrez bien, mais. Voilà quoi, c'est énorme. Bon, c'est parti, on va aller à la cave. Je prépare tout mon matériel, ça. Déjà, vous entendez des monstres. N'ayez pas peur, je suis là. Ah bah de toute façon j'ai mon compas, c'est vrai, donc on pourra aller voir où est-ce que je suis. Donc on ira tout à l'heure. Normalement si je me gourre pas. Ouais, je me gourre pas. Cet enculé de loup-garou est là, vous le voyez? Coucou loup-garou, est-ce que j'ai de l'or? Une pioche? Oh merde. Tant pis, on va taper le clash. C'est bien de taper de la hache avec de la pierre. C'est évident. Est-ce que j'ai de l'or? Bon bah, ça va être dur. Voilà, au-dessus pour voir s'il n'y a pas des monstres qui vont me faire chier, voilà. Est-ce que je peux le contourner? Non, je pourrais pas le contourner, ce monstre. Par contre, ah, je vais les purer. Désolé pour un peu les hésitations que je fais, mais bon, je vais oublier quel charbon je vais le faire. Hop. Merde, pas là. Voilà. Et voilà. Une petite pioche de pierre. Je sais même plus pourquoi j'ai de l'obsidienne. Ah oui, les ogres, c'est vrai. Oui, donc je vous l'avais dit, vu que j'avais fait une vidéo épisode 5, j'avais eu des ogres. J'ai réussi à les battre, bien entendu. Et sérieusement, je l'aime pas, lui. Oh, beaucoup de charbon. Oh, même du fer, c'est parfait. Je vais vous éclairer un peu pour que vous voyez. Ouais, je sais que t'as envie de me bouffer, t'inquiète pas. Moi, je te boufferai avec ma pelle. Ok. Il est où là? Il est disparu. Je peux pas le taper, tiens, 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 tiens. Vous avez compris, ça marche pas, hein. Alors, est-ce que je peux... Ouais, je peux faire un lit, mais bon, est-ce que... Attends, vous savez quoi? On va faire un petit abri, mini-abri spécial Toto. Regardez.
qu'on détruira bien sûr après, mais c'est juste pour que je puisse mettre mon lit. Et sérieusement, si vous êtes dans une caverne comme ça et que vous entendez ce bruit-là, courez. Parce que le loup-garou, si vous n'avez pas de dépendant, vous êtes dans la merde. C'est juste pour vous dire ça. Et je déconne pas. En fait, je crois que j'ai fait le con, c'est pas grave. Parce que de toute façon, la nuit va bientôt finir. C'est très rustique, j'avoue, mais... Mais c'est pour mon bien, quoi. Hop. Et hop là, un petit lit. Et je vais le mettre ici. Et je vais bien éclairer la zone. On va voir s'il n'y aura pas de monstre. J'espère pas, parce que à chaque fois que je fais ça, à chaque fois, il y a toujours un monstre. Alors... Monstre ou pas monstre? Eh bah ben, pas monstre, et bah ben, voilà, c'est parti. J'ai peut-être une idée pour le loup-garou, le mec qui se transforme en humain. Oh, de poisson. On va le faire venir là. Ah bah ben, non, c'est bon, le voilà. Là, je vais pouvoir le taper, vous voyez. Stop it! Non, je te fais pas. Because I want to kill you. Ok, la petite caverne. Attendez, j'entends du squelette, on va être... Oh! Alors, si je comprends bien, il y a une caverne juste là. Oh! Oui! Je suis un peu le bâtard qui triche, mais bon, désolé. Oh putain. Je vais te taper! Avec ma cisaille! Oh, là, c'est mon copain Christopher qui m'a envoyé un message. Encore un squelette. Merde, j'ai loupé ma pioche, tiens, 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 je t'éclaire. Comme ça tu seras aveuglé. Tiens, tiens, tiens. Et moi en plus j'oublie que si je crève je meurs, donc mieux je fais le fou quoi. Ok, j'ai l'impression. Bon. Attends, je vais vérifier à combien de minutes est la vidéo quand même, parce que bon, j'ai pas trop envie de faire des longues minutes, sinon niveau rendu ça va être énorme. Ouais, je pense que c'est déjà assez suffisant. Bon, allez, on va juste vite fait piocher les trucs et on va s'arrêter sur cet épisode 6 là. Hop. Épisode 5, pardon, j'ai encore fêlé. Encore du charbon. Je vais vous éclairer un peu pour voir. Et effectivement, il y a encore une caverne à la suite. Ça, c'est parfait pour les prochains épisodes. Donne-moi ton charbon, voilà. On va avancer prudemment parce que là, oulala, je le sens pas ce coup là. Bon, ça va, y'a rien. Ouais, génial. Voilà, on a fini la caverne. Parfait, c'était très long. Bien entendu, c'est à prendre avec un humour à la con. Ah bah attendez, par là. Ah bah non, c'est par là que j'étais pour le charbon, je crois. Ah oui, putain. Oh, oh là 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 là. Bon, allez. Eh, pourquoi pas, en fait, ça ferait... ici, ça fait pas mal, en fait, ça fait une chambre, là, ça serait l'atelier, la cuisine, et quelque part, je mettrais des salles de coffre. Bah voilà, bonne idée. Donc allez, je vous dis à plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et peut-être à tout de suite pour l'épisode 6, je sais pas si je vais le tourner maintenant. Allez, salut !